Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Pipon Papier. J'espère que vous allez bien. Donc, on va continuer le calendrier de l'Avent offert par Bout de Scrap par Evelyne. Donc, je vous souhaite un très bon visionnage et à très bientôt. Gros bisous! Hey, c'est encore moi, ça faisait longtemps! Non, c'est nul. Bon, ok, non, c'est nul, c'est pas grave. Bon, bah, je vais continuer, hein, donc pour l'ouverture du septième jour. Alors, le septième jour, c'est celui-là. Super. Que c'est joliment bien. Joliment bien. Que c'est joliment emballé. Et c'est marqué des étoiles plein les yeux en attendant le Père Noël vivre la magie chaque jour. Voilà, est-ce que vous voyez? C'est joliment décoré. Et y a Monsieur Pipon Papier qui est en train de faire du bruit là. Sympa. Et en plus, ça a été cousu pour la fermeture du cadeau. Ah, il y a de la couture. Et comment je fais pour ouvrir maintenant? Il n'y a pas d'ouverture. Je n'ose pas casser la couture. Ah. Ah, ah mince. Oh. Alors, voyons voir. J'avoue que j'ai pas essayé de deviner ce que c'est. On dirait un bouquin. Non, c'est pas un bouquin. Du papier. C'est peut-être du papier. Oui! Oh, c'est trop mignon! Oh, c'est trop chou! Oh, c'est trop mignon! Pardon. Il y a une planche de tampons. Ça tombe très bien parce que j'ai pas de tampon. Ouais, j'ai un vieux. Enfin, un vieux. J'ai un petit tampon Père Noël, mais c'est pas pareil. Attendez, je vais déballer. Mais c'est trop chou. Rien à voir, c'est pas un bouquin. Hein. Est-ce que vous allez voir? Non, vous n'allez pas voir. Il faut que je trouve un petit papier. Hop! C'est un peu cacaber. Ah, c'est mieux peut-être. Après, il y a le reflet de la lumière. Voilà. Vous voyez? Il y a le Père Noël avec le panneau Pôle Nord. Donc le Père Noël qui a le sapin sur le dos avec un bonhomme de neige, un renne et puis un pingouin. Et le ho-ho-ho. Mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. It's beginning to look a lot. De quoi j'arrive pas à lire à l'envers. It's beginning to look a lot like Christmas. This is the season. Oh, c'est trop chou. Ah, merci beaucoup. Bah, je m'attendais pas du tout à une planche de tampon. Je pensais que c'était un bouquin. Waouh! Je vais jeter ça à la poubelle. Poubelle de table de solu scrap, hein. Je fais pas de pub, qui est très très pratique, surtout quand on scrape. Et là, j'ai senti qu'il y avait autre chose. Oh. Oh, trop chou! Ah, oh, c'est trop mignon! Vous voyez? Donc, il y a du courrier, il y a des pots avec des cœurs, love, des clés, une enveloppe. Ah, oh, super! Trop chou! Ça tombe très bien parce que je n'ai pas de tampon avec une enveloppe. Donc, c'est de la marque Craft Sensations. Bon, ça doit être Action. Mais c'est trop mignon!
Waouh! Là, j'ai été gâtée, là. Merci beaucoup, Evelyne. Merci. Oh, c'est trop mignon. J'adore, ils sont trop choux. Trop, trop choux. Bon, c'est trop mignon, c'est trop gentil. Merci beaucoup, Evelyne. Donc là, c'est le 7e jour. Bon, on va passer à la journée suivante, hein. Donc le 8e. Alors, je vais ouvrir le 8e cadeau. Oh là là! Qu'est-ce que c'est? Hein, je vois à côté, il y a des lettres. Ce ne serait pas des tampons? Des tampons. Oh, sympa! C'est un set de tampons. C'est un set de tampons alphabétiques avec, avec les mois. Ici. Les mois en anglais. Ça, c'est bien. C'est pratique aussi pour les planeurs. C'est... Attendez, je vais ouvrir. Waouh! Ils sont profonds, les tampons. Ah ouais! Ah, quand même! Je sais pas si vous voyez. C'est profond, quand même. C'est haut. Mais waouh, super, sympa. Merci beaucoup, Evelyne. Oh là là, mais je suis gâtée. Merci. Oh, trop beau. Trop, trop beau. Donc, ça, c'est pour le 8e jour. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, le 9e jour. Et pareil, toujours aussi bien emballé. Je sais même pas ce que c'est. Des petits embellissements, je sais pas. Mais il y a plusieurs petits paquets. Ça m'intrigue, là. Waouh! Waouh, elle a fait un petit paquet d'embellissements. Donc, ce sont des embellissements faits maison. Je vais les enlever de leur emballage. Waouh, donc pour le mois de juin. Juin. Découvrir. J'ai fait tomber. Donc ça, c'est pour le mois de juin. Donc là, il y a un petit tampon où c'est marqué juin. Mai, pour le mois de mai. Très joli aussi. Si vous voyez avec le reflet, hop, je vais peut-être tourner la lampe, ça fera moins mal aux yeux, mais tout doux, très joli, avec le tampon du mois de mai. Oh, c'est très joli, je pense que c'est un tag, un tagron. Pour le mois d'avril. Pister, c'est très très joli avec le tampon du mois d'avril. C'est une bonne idée, ça. Et je suppose qu'il y a les autres mois de l'année. Ah ouais, effectivement. Oh là là, mais c'est trop beau. Mais c'est trop trop beau. Waouh. Donc là, c'est le mois de juin. Ah non,
mais elle a pensé à tout. C'est vraiment pour, avec un petit tampon du mois de juillet, c'est vraiment un tag par mois de l'année. Mois 8. Ah, pardon. Mois 8. Donc là, on sent que c'est l'été avec les pastèques et les tongs. Donc, c'est le mois d'août. C'est très joli, hein. Ça, c'est le mois de septembre. Septembre. Ah ouais, mais c'est une trop bonne idée que tu as eue, Evelyne. Mais tu as fait les tags pour chaque mois. Oh là là. Ah mince. C'est joli comme tout. Donc là, c'est pour le mois de janvier. Ah non, c'est à l'envers. Le mois de janvier. Voilà. Donc là, il y a vraiment, elle a vraiment joué avec les formes, les textures. C'est très très joli. Donc petit tamponnage du mois de janvier, le mois de février, que c'est joli. C'est tout doux, romantique. Avec le tamponnage du mois de février. Waouh. Oh, c'est trop mignon. Le mois de mars. C'est trop chou. Accompagné des petits tamponnages. Donc là, il y a d'autres tamponnages également. Donc c'est pareil. Voilà, et puis après j'ai des embellissements, handmade, des sentiments, travel. Ah ben, c'est super. Voilà, des petits tamponnages, je sais pas si vous voyez. C'est très mignon. Puis c'est joli. Ben, c'est vintage. Voilà, en parlant de vintage, donc là j'ai un tamponnage d'une machine à écrire vintage. Super, ben dis donc, j'étais gâtée là. Mais c'est pas fini. Il y a le dernier paquet. Ah, c'est mieux. Donc là on continue. Il y a une très très belle carte ici. Ah non, attendez, je vais changer l'intensité de la lumière parce que ça fait mal aux yeux. Surtout après une journée de travail devant l'écran, il y a mes yeux qui aimeraient bien se reposer. Voilà, je pense que c'est mieux et je pense que c'est bon pour vous aussi. Alors, donc là il y a une autre carte. Donc je pense que ça correspond à Noël parce qu'il y a des petits sapins dessus. Très joli aussi. C'est très joli. Ouais, décembre. Ah, trop forte. Décembre. Octobre. Oh là là. Tu m'as gâté, Evelyne, là. Oh, novembre. Novembre. Et voilà. C'est tout? Encore? Non. Bon. Bah, super. Merci beaucoup, Evelyne. Oh là là. Là, j'étais gâtée, là. En tag. Et c'est vrai que c'est une bonne idée de faire des tags par... par mois, un tag par mois. Bah tu sais quoi, tu sais ce que je vais faire, Evelyne, parce que là je suis en train de préparer un daily December pour l'année 2020 bien sûr, et je vais ce que je vais faire, non, cela c'est pas pour le daily December parce que c'est sur tous les mois de l'année, mais déjà les embellissements que j'ai ouverts, les cadeaux que j'ai ouverts précédemment, je vais pouvoir les utiliser pour le daily December. Mais pour ces tags-là, vu que c'est un tag par mois, et ça tombe très très bien parce que je compte faire un album sur l'année 2020, et ben je vais mettre
chaque tag du mois dans mon album. Voilà, comme ça, ça me fait vraiment un souvenir de ce que j'aurais eu en 2020. Donc, c'est vraiment une année de découverte pour le scrap, une année de belles rencontres aussi. Et c'est génial, je suis trop contente. Merci beaucoup, Evelyne. Aïe, 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 j'étais trop gâtée, là. Bon, bah vivement, vivement, vivement les prochains jours. Bon, bah... À demain ou à tout de suite, plutôt pour vous. Voilà. Non, non, c'est vraiment à demain. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. D'ici là, prenez soin de vous. À demain. Bisous, bisous.